Je suis née le 25 octobre 1992, bébé prématuré avec mon frère jumeau, 2 mois en avance. Je suis née morte, c'est dur de le dire, mais je respirais pas. Et après ça, je suis tombée dans le coma pendant plusieurs semaines. Ils avaient demandé à mes parents de me débrancher, mais mes parents ont dit non, que j'étais la seule fille et que j'allais me battre. Et un beau jour, je me suis réveillée et on a dit que j'étais une combattante dans l'âme. Mes parents sont nés en Afrique, au Togo, dans 2 villages totalement différents. On a eu cette culture où elle nous a montré qu'une culture par le sport. Elle nous a dit qu'il faut se battre pour arriver à ce qu'on veut arriver plus tard. À l'école, c'est vrai que ça a été particulier pour moi parce que j'avais la bougeotte. C'était compliqué. J'avais beaucoup trop d'énergie et la directrice de mon école avait dit à mes parents « Bon là, on n'arrive plus à gérer Clarisse. C'est notre ça va pas. Elle va finir par rien faire de sa vie. Peut-être qu'elle ira en prison. Il faut qu'on la mette à un sport de combat parce que là, nous, on n'en peut plus. » Et donc, j'ai fait du judo. Ce que j'aimais dans ce sport, c'était vraiment le fait d'avoir des règles, mais de pouvoir, après ces règles, faire ce qu'on voulait. Tu arrives avec tes chaussures, tes claquettes, tu marches pas pieds nus, tu salues le tatami avant de rentrer, tu salues le maître, l'entraîneur, tu t'écoutes les consignes, tu salues ton adversaire et après, combattre, bagarre. Donc moi, j'aimais beaucoup ce fait d'être cadré et en même temps d'être foufou et pouvoir tout faire. Si je donnerais une recette pour être champion du monde, je prendrais ma petite marmite, mon petit chaudron, je tournerais un bon coup, je dirais courage, respect, travail, avec toute cette potion magique et de la volonté, beaucoup de volonté, on peut être championne du monde.